Καλησπέρα σε όλους σας. Είμαι η Κρίστελ Μιλέα, παλιό μέλος της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής, την οποία ευχαριστώ που με προσκάλεσε να μιλήσω με ένα νεαρό μέλος, τον Τιέρι Λουκά, καθώς και τον αρχιτέκτονα μας, Δημητρίος Μπαρτζής. Και είμαι πολύ χαρούμενη απόψε που θα ανοίξω αυτό το σεμινάριο. Θα σας μιλήσουμε για μια αρχαία ανασκαφική περιοχή αυτή της ακρέφειας και του πτώου στη Βιωτία. Αλλά τώρα θα μιλήσω στα γαλλικά, συγγνώμη. Il est bien difficile de tout raconter sur un site en 50 minutes dans ces dernières nouveautés, donc nous nous sommes répartis la tâche avec Thierry et Dimitrios. Je vais faire une présentation générale introductive à la fois du contexte historique et historiographique des fouilles. Dimitrios donnera les éléments de reconstitution les plus récents sur le plan architectural et topographique au Ptoion. Thierry, quant à lui, s'apesantira sur ce qui est son dossier athénien, la ville d'Akraïfia et ses fortifications. Je commence par une présentation très rapide de la Béotie sur les plans géographiques et historiques, car la région n'est pas nécessairement très familière à tous nos auditeurs. La Béotie est une région qui couvre à l'ouest et au nord-ouest d'Athènes une superficie d'environ 2 500 km², à peu près comme sa voisine l'Attique. Le paysage en est assez compartimenté et divisé en deux grandes masses géographiques, d'une part au sud et au sud-est, un ensemble de plaines et de plateaux, dont la plaine de Thèbes, d'autre part au nord-ouest, au nord-ouest, le bassin du Copaïs, qui, à l'époque antique, comportait en son centre le lac éponyme, une zone très marécageuse entourée de montagnes et de collines. S'y ajoutaient à l'est deux lacs qui existent encore aujourd'hui, l'Ilika, actuelle Iliki, et le Trafeia, l'actuelle Paralimni. L'assèchement final du Copaïs, réalisé à la fin du XIXe siècle, entre 1883 et 1892, ainsi que le déboisement massif enduré par les montagnes comme le Citeron, ont largement modifié le paysage antique. Parmi les caractéristiques les plus notoires de cette région figure non seulement le dialecte régional, mais aussi le système politique fédéral qui repose sur une base ethnique, au sens où les Béotiens formaient un ethnos, un peuple doté de caractéristiques diverses, linguistiques, religieuses et politiques. Dès le dernier quart du VIe siècle, donc à l'archaïsme récent, commencent à apparaître les premiers signes d'une collaboration entre cités. C'est alors que sont produites les premières monnaies portant au droit l'emblème béotien par excellence, le bouclier. Mais c'est à partir de l'époque classique que se forme la première confédération véritablement formalisée, qui dure de 446 à 386, c'est-à-dire jusqu'à la paix dite du roi, le grand roi, celui des Perses. Il s'agit d'une formation particulièrement originale, presque révolutionnaire dans sa modernité, qui, entre le niveau civique et le niveau fédéral, comporte 11 districts organisant la représentation des citoyens dans les instances supérieures. Cette première organisation est dissoute en 386 par les Lacédémoniens et c'est alors la cité de Thèbes qui met la main sur une grande partie de la région, d'où le nom de Ligue Thébaine pour l'ensemble qui se forme à partir de 379. Telle est la date de la libération de l'acropole de Thèbes, la Cadmée, par les démocrates, contre les occupants à la solde de Sparte. En 338, après la célèbre bataille de Chéronée, livrée contre Philippe de Macédoine par les Athéniens et les Béotiens pour une fois alliés, la Cadmée est de nouveau occupée par une garnison macédonienne cette fois, et en 335, la ville est mise à sac par Alexandre, fils de Philippe et futur Mégas Alexandros. Progressivement se reforme un koinon, à l'époque hellénistique, auquel Thèbes, relevé de ses ruines à partir de 315, n'est réintégré sans doute qu'en 287, comme l'a brillamment montré Denis Knopfler. Ce koinon est lui aussi un objet politique extraordinaire, donc le cadre est constitué de 7 districts qui commandent l'ensemble du fonctionnement des instances fédérales, dont les fameux 7 béotarques, les chefs de l'armée et de la diplomatie béotienne. Cette confédération hellénistique a fait l'objet de 3 thèses récemment publiées ou en cours de publication,
à gauche celle de Yanis Kalyontsis dans la Béphare, qui est une thèse d'épigraphie hellénistique, celle de Thierry Lucas sur l'organisation militaire du Koinon, qui a été remise et paraîtra dans la même collection, et enfin celle d'Anne-Charlotte Panissier sur les institutions religieuses, notamment le personnel de culte. La Confédération hellénistique, l'une des plus florissantes du monde grec de cette époque, fut cependant dissoute avec beaucoup de brutalité par les Romains pendant la Troisième Guerre de Macédoine en 171, avant la destruction de la cité béotienne d'Aliarte, qui, avec plusieurs autres, avait pris le parti de Persée, le dernier roi antigonide. Et ce n'est pas avant la toute fin du 1er siècle avant Jésus-Christ que se reforme un ultime koinon qui regarde désormais autant vers Rome que vers la Grèce et dont la vocation est d'abord religieuse. À cet égard, c'est-à-dire à l'égard des pratiques religieuses, une autre caractéristique de la Béotie, fondatrice de son identité régionale, est que cette région a toujours été une grande terre de sanctuaires. En témoigne, tout d'abord, le volumineux ouvrage d'Albert Charter en 4 tomes, paru entre 1981 et 1994 et intitulé Cults of Boeotia, ou encore le programme de recherche français Circé, dirigé pour la partie grecque par François de Polignac. Ce programme s'est donné comme objectif de procéder à un inventaire numérisé des lieux de culte et sa première terre d'élection a été justement la Béotie. Parmi les grands sanctuaires béotiens, on citera d'abord les 3 sanctuaires fédéraux, reconnus comme tels, même si on ne les connaît pas toujours aussi bien que l'on voudrait sur le plan archéologique. Le Poseidonion d'Onchestos, l'Itonion de Coronée, c'est-à-dire le sanctuaire d'Athéna Itonia, et l'Alalcoméneion, autrement dit le sanctuaire d'Athéna Alalcoméneia, situé entre Aliarte et Coronée. Mais il existait aussi de florissants sanctuaires à vocation locale ou régionale, notamment parmi ceux qu'a fouillé l'école française d'Athènes à partir du XIXe siècle. Les Français, en effet, investirent la Béotie de manière précoce sur le plan archéologique, puisque dès la fondation de l'école, ou presque, dans les années 1850, les membres y firent de fréquentes incursions scientifiques. Mais c'est à partir de la fin des années 1880 que les activités françaises se précisèrent et que les chantiers s'organisèrent de manière plus systématique. On en retiendra 3. La fouille menée à Thespy et au Val des Muses entre 1888 et 1891 par Paul Jameau, qui permit le dégagement de dizaines d'inscriptions, ce qui nous vaut aujourd'hui un corpus épigraphique exceptionnel avec plus de 1300 inscriptions, ce qui est beaucoup pour une cité de cette taille. La fouille que conduisit André de Ridder à Glas et Orchomène en 1893, mais surtout le chantier ouvert en 1884, le premier donc, au sanctuaire d'Apollon Ptoios, qui abritait aussi un culte d'Athéna, sur le territoire de la cité d'Akraïfia par Maurice Solo, qui devait devenir directeur de l'EFA en 1904, et vous le voyez ici sur le stylobate du temple en casque colonial. Ce sanctuaire d'Apollon Ptoios est situé au nord-est de l'ancien lac Copais, sur les pentes occidentales du mont Pelaïa, à un peu moins de 5 km du village actuel d'Akrefnio. Il est dominé par 2 éléments naturels, le rocher, sous la forme d'un éperon reconnaissable de loin, qui domine le temple à une altitude de 480 mètres, alors que le temple lui-même est à 380 mètres. Et l'eau, qui jaillit un peu partout au pied de ce rocher. Ces 2 éléments en font un paysage assez semblable à celui de Delphes, en version miniature, si j'ose dire. Ce sanctuaire d'Apollon pose aux historiens et aux archéologues un vrai problème de source. Nous avons en effet à notre disposition un faible nombre de textes littéraires qui évoquent le site, ceux des historiens et des géographes, par exemple. Et les inscriptions, comme presque partout ailleurs en Béotie, ne sont vraiment abondantes qu'à partir des années 250. C'est donc à l'archéologie qu'il est revenu de nous dévoiler l'essentiel de ce que nous savons de ce sanctuaire. Maurice Solo mena jusqu'en 1891 6 campagnes de fouilles au cours desquelles furent découverts les principaux monuments connus aujourd'hui sur 3 terrasses étagées.
la terrasse supérieure est celle du temple et de son autel. La terrasse médiane est celle dite des portiques et du grand quadrilatère. La terrasse inférieure est celle des citernes. Un plan du sanctuaire, orienté au sud-est, fut alors dressé par l'ingénieur Henri Convert. Mais l'abbé aussi fut, à la fin des travaux de Hollot, la victime, très certainement, d'un autre chantier, beaucoup plus important, celui de Delphes, où l'école française obtint exactement cette année-là, en 1891, l'octroi d'un permis de fouilles de 10 ans. Malgré tout, après ces premiers travaux, l'activité de l'école se poursuivit en plusieurs étapes. La fouille inachevée, reprit en 1903, pour une campagne unique dirigée par Gustave Mindel et Léon Bizard. Elle fut suivie en 1923 d'un nettoyage effectué par Pierre de la Côte-Messelière, dit le marquis, et Henri Sérig, appelés ensuite à des destins plus grandioses. L'un devint le pape de l'archéologie et de l'épigraphie delphique, tandis que l'autre fit une brillante carrière en Syrie et au Liban. Les travaux furent relancés en 1934-1935 par Michel Feyel et Pierre Guillon, qui s'attaquèrent également la même année au deuxième sanctuaire, celui du héros Ptoios à Castraki, entre la ville d'Akrefnion, la ville d'Akraifia antique, et le Ptoion. L'année suivante, en 1936, Feyel et Guillon effectuèrent aussi des sondages dans le village même d'Akrefia, Karditsa à l'époque, autour de l'église byzantine d'Aios Yorgos. Mais le premier, Michel Feyel, mourut de manière tragique en déportation et ses archives se perdirent. Après la guerre, il fallut attendre 1964-1965 pour qu'une nouvelle campagne fût menée au Ptoion par Christian Linas, qui procéda pour l'essentiel à des nettoyages lui aussi, notamment au Ptoion sur les citernes de la terrasse inférieure. La même année, Yvon Garland mena deux brèves campagnes de nettoyage encore sur le rempart de l'Acropole. 30 ans après, entre 1994 et 1997, j'ai moi-même repris l'étude de ce site, c'était mon dossier athénien, en effectuant plusieurs nettoyages qui ont abouti à une grande campagne de levée topographique sur les trois sites principaux, le Ptoion, Castraki et Akraifia. Les travaux que nous conduisons aujourd'hui ont été repris en 2017 lorsque nous avons reformé une équipe avec plusieurs de mes doctorants ou jeunes docteurs. Cette longue énumération n'a qu'un but, attirer l'attention sur le problème de méthode que pose un tel site. Le nombre de fouilleurs qui sont passés par là, cette équipe depuis 1884, a eu comme conséquence qu'on ne peut guère espérer y trouver un espace vierge d'investigation en dehors des zones situées sous les déblais de Maurice Hollot, les fameux cavaliers, comme il disait, et des zones périphériques, bien sûr. On peut à la rigueur nettoyer et vérifier, mais on ne peut plus fouiller, car on n'exhumerait que les tranchées ou les déblais des prédécesseurs. Autrement dit, nous travaillons beaucoup à partir des archives. On le voit avec le plan Convert que j'ai déjà mentionné, ou encore les cahiers de Maurice Hollot, dont une numérisation a été effectuée cet hiver, notamment pour un dossier inédit portant sur le temple d'Apollon et sa terrasse. On voit ici, sur la première diapositive d'archives, tout d'abord un brouillon de calcul de dimension, écrit sur un faire-part de mariage, selon une habitude du premier fouilleur, qui permet de dater un certain nombre de ses réflexions. On voit également trois pages de ses carnets, qui contiennent à la fois des notes et une très précieuse étude préliminaire du temple. Les archives contiennent enfin d'inestimables photographies de fouilles qui nous livrent des informations aujourd'hui perdues sur le terrain lui-même. Le deuxième problème, par ailleurs, est que tous ces travaux, on le voit, ont été menés par des membres de l'école d'Athènes très jeunes, en pleine formation, qui furent tous appelés par la suite à d'autres destins sur des sites parfois bien différents. J'ai parlé de la fouille de Delphes, je citerai aussi celle de Délos, qui absorba Maurice Hollot à partir du début du XXe siècle. En ce qui me concerne, et toute proportion gardée bien sûr, après 3 ans de travaux au Ptoion, j'ai très vite été absorbée par les campagnes de prospection dans les cités grecques du Pont Nord, en Russie méridionale,
où l'école avait souhaité prendre pied très rapidement après la fin de l'URSS en 1991, en collaboration avec l'Institut archéologique de Moscou. Il en est résulté pour le Ptoyonné à Krafia une bibliographie disparate, composée d'une multitude d'articles préparatoires souvent très riches, mais de deux monographies seulement. L'une, à gauche, de Pierre Guillon, qui fut le seul à publier ses propres travaux sur les héroptoios, mais aussi sur les trépieds d'Apollon, dans Les trépieds du Ptoyonne, ouvrage paru en pleine guerre en 1943 dans la collection de la BFA. Et la seconde monographie, qui est celle de Jean Ducas, consacrée à la sculpture, donc à droite, à la sculpture et à tous les objets de l'époque archaïque et du début de l'époque classique découverts au sanctuaire d'Apollon. Il s'agit de sa thèse, parue dans la même collection donc de la BFAR en 1971, sous le titre « Les coureuils du Ptoyonne », qui contient aussi une très riche introduction sur les fouilles elles-mêmes. Grâce à Ducas, on a pu notamment établir que l'occupation du sanctuaire, même si nous ne connaissons pas l'occupant, avait commencé dans le dernier quart du 8e siècle, comme le montrent notamment quelques tessons de l'extrême fin du géométrique récent. La première consécration à Apollon est datée par lui des années 640-620, même si les premiers développements architecturaux sont plus récents, au sein même de l'époque archaïque. Mais il reste évidemment à étudier la suite de l'histoire. L'objectif est donc maintenant de publier de manière aussi précise que possible l'ensemble des antiquités d'Akraïfia et du Ptoyonne, depuis l'acropole jusqu'au sanctuaire, en élargissant la problématique à l'ensemble du territoire de la cité, sur le modèle suivi jadis par d'autres anciens membres de l'EFA, Denis Knopfler et Roland Etienne, qui dans leur jeunesse ont publié en 1976 une monographie de référence consacrée à Yétos de Béotie. L'opération implique désormais une actualisation des méthodes de la recherche. Celle-ci a commencé notamment avec la numérisation des plans plus anciens. Vous avez ici le plan établi par Franck Perdrisé en 1996 qui a été numérisé. Et elle s'est poursuivie avec l'usage d'un drone permettant la production d'orthophotos, ici par Lionel Fadin en octobre 2018. Et de fait, je soulignerai avec force que nous avons travaillé depuis les années 1990 avec deux excellents topographes, Franck Perdrizet, déjà nommé et aujourd'hui disparu, je rends ici hommage à sa mémoire, puis Lionel Fadin, et depuis 2 ans avec un jeune architecte extrêmement compétent, Dimitrios Barsis, qui est un élève, on l'a dit, de Manolis Kores, l'architecte de la restauration de l'Acropole d'Athènes, et qui a pris la relève sur le plan numérique de Julien Faguer, qui nous écoute, autre membre de l'EFA. Et c'est maintenant à notre architecte, donc Dimitrios, que je passe la parole pour qu'il en dise davantage sur les monuments du Ptoyonne à partir des investigations récentes. Καλησπέρα και από μένα. Πριν να ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μιουλέρ και τον Thierry Λουκά για την συνεργασία μας και για την ευκαιρία που μου δίνουν αυτή τη μέρα να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της εργασίας μας. Η ομιλία θα γίνει στα αγγλικά. The main objective of the missions held in 2019 and 2020 on the field was the documentation of various bases or architectural blocks scattered around the sanctuary, and more importantly, the production of a new actual state plan in stone-by-stone detail, so that we have a starting point for a further study of the architectural remains. The basis of our studies is the accurate drone orthophoto provided by the surveyor of the French school, Lionel Fadin, whom we thank for his kind contribution. Having this as a base, we worked in the field with Christelle Muller and Thierry Lucas and produced a line drawing of the sanctuary. In areas of specific interest, we made focused architectural survey, producing, besides plans in more detail, also sections and elevations. With the actual state plan complete, the next step was to figure out what is still visible from the previous excavations. This was made by comparison to the invaluable actual state plan of 1903, published by Ducas 70 years later. In terms of architectural history, the sanctuary of Apollo Ptoios is mostly known for its late classical peripteral temple.
The excavation by Olo revealed almost the whole foundation of the temple. The ashlar blocks of which were already significantly eroded because of the very friable type of porous that was used for construction. After more than a century of exposure and weathering, most of the foundation has either been buried under backfill or worse, it has deteriorated in such intense rate that joints between the blocks are barely visible, especially on the curved retaining wall to the southwest of the temple. The peripteral temple has been studied by Orlandos in 1915, who distinguished two historical phases for the temple, an archaic one indicated only by a few architectural terracottas, and the late Hellenistic phase for which he proposed a restored plan and elevation. More recently, improved proposals for the ground plan of the temple have been presented in the synthetic study of Kanellopoulos and Petrakis about cell alignment in late classical Greek peripteral temples. Additional evidence recorded by Olo in his excavation journals is under evaluation, which we hope will lead to an up-to-date reconstruction of the Apollo temple. However, the sanctuary not only consists of his temple, but also of other structures, which are going to be described briefly here. The upper retaining wall forms the southeast boundary of the terrace of the temple's terrace. It is obvious from the excavation photos that the wall consists of two different masonry styles and that it was preserved on a considerable height and length. It is interesting that Olo seems to note the existence of mason marks on top of the ashlar limestone blocks forming the southeast branch of the wall, which needs further investigation in our next mission. Today, the wall is not entirely visible, with part of it being buried by backfill, where another portion has been dismantled during the 19th century excavations due to the danger of collapsing, and its blocks were gathered nearby, which we spotted. North of the peripteral temple, there is a rectangular retaining structure that forms an extension of the temple's terrace. Back in the end of the 19th century, it was found in a much better condition than today's, as this is evident by both photos and Olo's field sketches. A significant part of the structure has since collapsed. However, we were able to decode its building principles, which point out to the existence of an ascending path along the northwest main facade of the structure, the upper part of which consisted of lesbian-style masonry. We suspect that this retaining structure was actually a building pre-existing the late classical peripteral temple, and after the reform of the sanctuary, probably in the 4th century, it was incorporated into the porous retaining walls that formed the new temple terrace. The square building complex is puzzling, and we have only made a preliminary examination of the visible remains, most of which are no longer visible, collapsed, or still under thick vegetation. The complex consists of two rectangular structures, one partially covered by the other. The older one to the north was made of porous ashlars, and in one of its rooms we spotted a square hard limestone base of fine workmanship dominating the interior, which may imply a special use for this particular space. The greater rectangle seems, according to Olo's notes, to be the remains of the old monastery of Pelagia. We intend to deal with this complex the following summer, hopefully after an intensive clearance of vegetation by the Greek Archaeological Service. What we call the North Portico complex has been examined last year. It mainly consists of two rectangular buildings facing one another. The building to the southeast, according to the 1903 state plan, had a thick porous foundation to the northwest, which implies the existence of a stone colonnade, meaning that this is a stoa, which was built on a
pre-existing structure of yet-to-be-found purpose. The other building to the northwest is built by a combination of porous ashlar blocks resting on top of horizontal courses of limestone along the long northwest side and on parts of polygonal masonry to the flanks and southeast facade. Today's actual state situation is disappointing, as almost all of the porous elements are gone in both structures. However, the disintegration of the wide porous foundation to the building to the south revealed crucial evidence underneath for the interpretation of the north building. We found out that the porous foundation was partially resting on a previous row of limestones, on which we spotted at regular intervals of about 3 meters, circular resting surfaces bearing point chisel tool marks, thus providing that this is also a stylobate relating to the north building. Judging from the smaller diameter of the traces, no more than 30 centimeters, and in relation to the wide interaxial spacing, we conclude that the columns were wooden. So we have another stoa to the north, pre-existing the other to the south. Furthermore, careful examination of the series of limestone blocks to the south long wall of the building has pointed to the existence of at least 2 entrances, one by the other, and most probably next to this, there was a third or even a fourth opening leading to the interior. Similar multi-door entrances are known in Greek architecture, for example, at Epidaurus and probably at Argos as well. In any case, the building went later under vast modifications, possibly after a collapse of its superstructure and during the construction of the South Stoa. The superstructure of the walls, we suppose originally made by mud bricks, was replaced at that point by porous astral blocks, but it is not yet clear if in this new scheme the building was supposed to be roofed or merely an open terrace serving as court in front of the newly built South Stoa. The fountain complex is still the most imposing group of structures in the sanctuary, which remains unpublished, although it has been re-examined in detail by Linnaeus back in the 1960s. Olo's excavation revealed 3 rectangular chambers in a row, the first 2 from the northwest, built by porous ashlar blocks, and the 3rd one by limestone polygonal masonry. Behind these, there is a large reservoir consisting of 7 cisterns which take the advantage of the continuous underground flow of water through veins of the bedrock. The cisterns are connected to each other, leading water to the central cistern, from where it was extracted by a built tunnel about 15 meters to the northwest, terminating on a massive polygonal wall. Taking into consideration that the water channel is cutting through the previously mentioned 3 chambers in a rather intrusive manner, we suspect that the 7 cisterns and the polygonal wall were part of a massive modification of the area, which was placed over a pre-existing fountain house of modest dimensions. The cisterns are constructed by the same fragile porous stone as the peripteral temple, which means that it was intended to be buried from the beginning. That means that there was a significant amount of backfill, which was evidently held by the polygonal wall, which is actually a retaining wall forming the lower terrace at the sanctuary, probably with a sloping ground. But if the previous fountain house had been replaced, where's the new one? Or is there a chance that the old one kept on being used, but this time partially buried underground? Between Olo's excavation in late 19th century and Linnaeus' trial trenches in the 1960s, nearly half of the cistern's long exterior wall has collapsed due to the heavy erosion of porous structural elements after decades of exposure to weathering.
Since then, erosion has progressed and even parts of the limestone walls have minor collapses. In general, this significant example of hydraulic technology and Greek infrastructure architecture is in critical danger. We hope that our architectural documentation of the building remains within the sanctuary will prove to be a useful base for the Greek Archaeological Service to begin a rescue conservation program. Alongside, we are optimistic that further study of the architectural remains might eventually lead to a restored general plan of the Apollo Pteoios with all its main structures along with the reconstruction of pathways within its limits. Work is still ahead. Alors, pour compléter cette étude, après le sanctuaire d'Apollon Octoyon, on va maintenant se déplacer un peu plus à l'ouest, de 4 km environ, vers le site de la ville antique d'Akraïfia. Les recherches françaises dans la région se sont longtemps très majoritairement focalisées sur les sanctuaires d'Apollon Octoyon et du Héroptoios à Castraki, dont nous n'avons pas eu le temps de beaucoup parler aujourd'hui. Ces sanctuaires ont à la fois concentré les moyens archéologiques et les découvertes les plus spectaculaires. Très tôt, cependant, les recherches ont également concerné, par ricochet, si j'ose dire, la cité d'Akraïfia elle-même. L'intérêt a tout d'abord été aiguillonné par la recherche d'inscriptions, dont un bon nombre était visible, en remploi, dans l'église Saint-Georges. C'est là, notamment, que Maurice Solo découvrit une nouvelle inscription très importante, incluant la copie du discours prononcé par Néron à Corinthe en 66 ou 67 de notre ère. Le même Maurice Solo, d'après les informations fournies par ses successeurs, profita des fouilles du Pteoion pour mener également quelques sondages dans la cour de l'église. Mais je n'ai rien pu trouver ni sur l'emplacement exact, ni sur les résultats de ces recherches précoces. On a trace d'une autre opération en 1898, lorsque Paul Perdrizet, dépêché sur place après la découverte fortuite d'un dallage byzantin, organisa une fouille qui mena à la découverte de pas moins de 34 inscriptions en remploi. Là encore, cependant, à part la publication des inscriptions et la brève mention de cette opération dans la chronique des fouilles du BCH, on a relativement peu d'informations. La première opération d'envergure à Akraïfia, qui soit bien documentée, c'est finalement la campagne de fouilles menée par Pierre Guillon et Michel Feyel en 1936 aux abords de l'église Saint-Georges. Là encore, il n'y a pas vraiment eu de publication, en dehors des rapports et de la publication de 3 inscriptions trouvées lors des fouilles. En revanche, on dispose cette fois d'une documentation inédite assez abondante à l'École française d'Athènes. Cette documentation comprend à la fois des lettres de Pierre Guillon et de Michel Feyel, un rapport et le plan des fouilles que je vous montre ici. De cet ensemble de documents, la logique qui a présidé à l'organisation de ces fouilles ressort clairement. Michel Feyel et Pierre Guillon étaient alors en charge de la délicate publication des travaux du Pteoion, et il s'agissait d'éclairer l'histoire du sanctuaire par celle de la ville. Le lieu des fouilles a été choisi d'après la découverte récente d'inscriptions et la proximité de l'église Saint-Georges. Les sondages ont été menés principalement en contrebas et à proximité de l'église, mais d'autres ont été menés sur l'acropole, pour lesquels on n'a aucune information, si ce n'est une brève mention dans les lettres de Pierre Guillon. En fait, la déception des fouilleurs est perceptible dès les lettres envoyées au directeur pendant la campagne, avec des résultats qualifiés notamment de médiocres et de misérables par Pierre Guillon. De façon générale, il est assez difficile de faire le lien entre les choses décrites dans le rapport et les structures présentées sur le plan. Notamment, dans leurs lettres, Michel Feyel et Pierre Guillon sont généralement précis sur les descriptions, mais pas tellement sur les localisations, qui ne sont indiqués que par des « à une cinquantaine de mètres en contrebas, à gauche, à droite, derrière, etc. » Tant bien que mal, j'ai identifié certains des éléments visibles sur le plan. En revanche, pour tout le reste, il n'y a rien dans les rapports pour comprendre quoi que ce soit, alors même qu'on distingue plusieurs bâtiments bien nets. Les découvertes principales sont une fontaine remaniée à une époque tardive, byzantine, avec un réservoir et des conduits qui ont été dégagés lors de la fouille. Une assise de blocs dressés d'interprétation difficile, qualifiée de portique grossier au début et qui se mue ensuite en un loutrone de gymnase, aucune des deux hypothèses ne semblant vraisemblable. Si l'on doit croire l'échelle du relevé, j'y verrais plutôt une sorte de clôture, car les blocs sont dressés
et ne sont pas assez espacées pour un portique. À côté, enfin, se trouve un mur qualifié de « rempart grossier », visiblement tardif, ce qui est là encore une appellation à prendre avec des pincettes. En revanche, il n'y a quasiment aucune information sur les autres sondages. Sur l'acropole en particulier, quelques sondages ont été pratiqués, mais on ne dispose même pas pour cette partie du plan des tranchées. Il y a juste une mention dans le rapport que l'acropole, je cite, « n'a rien livré d'antérieur au IVe siècle ». En même temps que les fouilles, Pierre Guillon et Michel Feyel sont les premiers à faire dresser un relevé complet des vestiges visibles de la muraille. Selon leur rapport, ce relevé a été complété par une campagne de photographie dont je n'ai malheureusement pas trouvé trace dans les archives de l'École française d'Athènes. La carte a été dessinée selon les mêmes normes graphiques que d'autres relevés réalisés à cette période, notamment Octoyon. Elle était sans doute destinée à prendre place dans l'une des publications que préparaient les auteurs à ce moment. Cette carte est précieuse car elle garde sans doute trace de vestiges qui ont disparu par la suite, mais elle est malheureusement topographiquement imprécise, voire inexacte. Et en particulier, je n'ai pas été en mesure de la géoréférencer pour la superposer avec le relevé plus récent, dont je vous parlerai dans un instant. L'opération suivante, menée par l'École française d'Athènes à Akraïfia, a eu lieu lors d'une nouvelle reprise du dossier avec à la manœuvre Charles Linas Octoyon et Akastraki, et Jean Ducas pour l'étude des statues trouvées lors des fouilles anciennes. Ces travaux ont été complétés par des sondages menés par Yvon Garland sur l'acropole. Cette fois-ci, la publication sous la forme d'un article dans le BCH est satisfaisante. Les tranchées ne sont pas localisées précisément, mais elles sont toujours visibles sur l'acropole. La découverte la plus notable de cette campagne de fouilles, c'est celle d'une tour pentagonale sur l'acropole. Je vous mets ici, notamment, l'état lors des fouilles, l'état actuel, et vous voyez que là encore, le poros s'est considérablement dégradé, comme Octoyon, et je vous mets également les deux relevés qui ont été publiés dans l'article du BCH. La fouille n'a pas permis de dater précisément cette face du mur par la céramique, mais d'un point de vue architectural, il paraît clair que cet état doit être daté du début de l'époque hellénistique. La destruction de cette tour, en revanche, est bien documentée. La tour s'est effondrée de manière brutale au cours du IIe siècle avant Jésus-Christ, sans qu'il soit possible de mettre cela en lien avec un événement militaire. Je croirais plus volontiers qu'il s'agissait d'un effondrement accidentel. Il faut relever un point intéressant, en tout cas, c'est que la tour, après sa destruction, a été laissée en l'état, sans réparation, signe d'une certaine déréliction des fortifications après le milieu du IIe siècle. Enfin, en 1996, les derniers travaux sur place ont constitué à dresser le relevé des vestiges visibles sur l'acropole, dont le tracé supposé de l'enceinte. Cette opération a été menée par le topographe Franck Perdrizet sous la conduite de Christelle Muller. Le relevé est fiable, mais il est resté jusqu'ici inédit. Il manque en outre l'exploitation systématique de cette carte, qui montre très clairement des traces visibles sur toute l'acropole et sur ses pentes. C'est dans cet état que j'ai repris le dossier en 2017 à la demande de Christelle Muller. L'enjeu au départ était de me concentrer sur les fortifications, mais il est vite apparu qu'il était en outre nécessaire de relier cette étude avec celle de la topographie de la ville antique. Il s'agit en fait d'une entreprise plus globale qui consiste à replacer l'étude dans son cadre civique, non plus seulement le Ptoion, mais la cité et son territoire, incluant ses sanctuaires. L'inventaire auquel je viens de me livrer montre à quel point toute recherche sur Akraïfia, comme sur le Ptoion, s'inscrit dans un héritage assez dense, de recherches plus ou moins achevées et plus ou moins complètes. Malgré les quelques travaux que j'ai mentionnés, restés d'ailleurs pour la plupart largement inédits, il faut souligner qu'on ne sait à l'heure actuelle presque rien sur la ville d'Akraïfia si l'on doit se fier aux publications. Ainsi, en 1997, dans un article où il tentait d'estimer la population béotienne à partir de la superficie des villes, John Bincliffe était en mesure de proposer une estimation de la superficie de toutes les cités béotiennes, sauf deux, Akraïfia et les Badées. Pour mener à bien cette étude, très prochainement, ma mission principale pour cette année consistera en l'acquisition de données LIDAR sur le site de la ville et ses environs. Il ne s'agit pas d'une prospection LIDAR extensive, mais plutôt un moyen d'étudier en détail le site de la ville. C'est une opération qui a été retardée un bon moment à cause de la situation sanitaire, mais je devrais prochainement être en mesure de proposer des résultats sur ce point. Grâce à ce relevé, on pourra obtenir une image plus précise des traces de l'urbanisme
et surtout préciser les vestiges dans les zones densément couvertes par la végétation. Enfin, on disposera d'un modèle numérique de terrain pour mener un certain nombre de calculs, comme par exemple l'estimation des chemins les plus probables, qui pourraient permettre d'identifier les lieux de passage où étaient probablement implantées les portes de la ville. L'intérêt pour l'étude de la muraille, c'est à la fois de mieux identifier son tracé et, si tout va bien, de préciser également la structure des défenses. En particulier, la seule tour qui est connue actuellement, c'est la tour pentagonale qui a été fouillée par Yvon Garland. J'ai bon espoir que cette prospection permette d'identifier les traces au sol d'autres structures de ce type dans trois zones cruciales aujourd'hui obstruées par la végétation très dense. En attendant les résultats de cette étude, on peut d'ores et déjà présenter quelques pistes de réflexion. Le tracé des fortifications est désormais relativement bien identifié. Sur la partie occidentale de la ville, on remarque une variété d'appareils polygonaux plus ou moins soignés. Il m'a paru qu'il était important de mieux documenter cet état qui a été laissé de côté par Yvon Garland. Et c'est donc là que je concentrerai mes prochains travaux cet été, notamment pour relever le mur en élévation avec l'architecte Dimitrios Bartsis. Il semble a priori se dégager de cela qu'il y a eu au moins deux phases de fortification, un premier état limité et concentré sur une acropole facilement défendable, puis une extension de l'aire défendue. Le mur qui séparait ces deux états a été exploré par Yvon Garland, qui l'appelle Diatheikisma. Au départ, il s'agissait d'un mur en appareil polygonal fruste qui a été restauré dans un second temps et doublé par des blocs en appareil isodome. La partie occidentale est donc une acropole originelle qui a été transformée par la suite en un réduit défensif. Au passage, on peut constater que dans cette zone, le relevé de 1936 répertorie des traces assez abondantes qui ont disparu depuis. Dans un deuxième temps, on assiste à une extension de l'aire défendue. Cet état du mur, daté du début de l'époque hellénistique, a été bien documenté par la fouille Garland et il est assez homogène. On distingue deux appareils utilisés pour le parement externe et interne, un appareil trapézoïdal en calcaire dur pour le parement interne et un appareil isodome en poros pour le parement externe, les deux étant liés par des murs de refend en poros. Et vous avez ici la correspondance avec le relevé en plan effectué sur un tronçon dégagé par Yvon Garland. Il reste cependant beaucoup à faire. Ici, par exemple, je vous montre sur le flanc nord-ouest de l'acropole un segment de mur en appareil encore différent. Il est à l'heure actuelle très difficile de savoir à quelle phase il faut rattacher ce segment ou s'il forme une autre phase encore dont on n'aurait pas idée. Pour ce qui est de l'extension de la ville, elle est difficile à estimer en raison de la présence du bourg moderne au pied de l'acropole. Pour l'heure, il n'y a pas de prospection extensive de prévu, mais des repérages m'ont conduit à identifier des blocs antiques en plusieurs endroits aux abords de la ville moderne. Cela permet d'estimer grossièrement la superficie protégée par l'enceinte à 35 hectares environ. Pour ce qui est du deuxième axe de mes travaux, il s'agit donc de préciser de façon générale la topographie urbaine. Les images satellites sur ce point montrent très clairement des vestiges de terrasses sur le flanc de l'acropole. En cela, la ville d'Akraïsia apparaît conforme à la description par Strabon d'une ville située sur une hauteur. Ces terrasses sont globalement parallèles et on identifie à d'autres endroits des alignements susceptibles de correspondre à des rues ou aux limites de blocs urbains. Au passage, on peut remarquer qu'une part importante des vestiges dégagés par Pierre Guillon et Michel Feyel en 1936 sont alignés selon une grille orthogonale qui suit les orientations des terrasses. Sur une partie de son tracé, au moins, donc, la ville était organisée selon un plan hippodaméen. On peut remarquer par ailleurs que l'église Saint-Georges, datée du début du XIVe siècle, a la même orientation. On pourrait se demander s'il s'agit là d'un simple hasard, l'église ayant été orientée sur les terrasses, ou du signe que l'église a pris la place d'un édifice antérieur. En particulier, les premiers voyageurs ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un temple de la cité, par exemple le temple de Dionysos mentionné par Pausanias. C'est une affirmation qu'on trouve par exemple dans Lyc, mais qui mérite évidemment d'être vérifiée. On est donc en présence d'un schéma de développement urbain en deux temps. Une première phase constituée d'une emprise urbaine limitée autour d'une acropole fortifiée, puis une extension urbaine selon un plan orthonormé qui s'accompagne d'une importante phase de modernisation des fortifications au début de l'époque hellénistique. On retrouve en fait ce schéma de développement urbain dans la plupart des cités béotiennes pour lesquelles on a des données de prospection, notamment à Coronée, à Thespie, à Aliart,
à Iétos ou encore à Platée. Akraïfia n'est donc aucunement un cas isolé. Pour sauver quelque chose de la fouille de 1936, les rapports de Pierre Guillon et de Michel Feyel ont souligné deux points. D'une part, leurs travaux auraient permis de préciser la topographie de la ville, et d'autre part, ils auraient identifié le site de l'Agora. Dans l'ensemble, cependant, il y a peu de conclusions à tirer de ces travaux. La découverte du site de la ville n'en est pas vraiment une. Quant à l'Agora, il s'agit d'une hypothèse extrêmement risquée qui repose uniquement sur la découverte d'un hôtel dédié à Zeus Sauter en position secondaire. Or, on sait qu'il y avait un hôtel de Zeus sur l'Agora d'Akraïfia qui servait d'épiphanestatos topos et qui était donc probablement un monument d'une certaine importance. Mais de toute évidence, ce n'est pas l'hôtel découvert lors des fouilles, qui est un monument très modeste, datant de l'époque hellénistique, et dont la dédicace précise qu'il a été offert sur le surplus des fonds alloués à un agonothète pour son mandat. Il ne s'agit donc en aucun cas de l'épiphanestatos topos de la cité. De fait, une certaine gêne est perceptible dans l'article posthume de Feyel, où cette inscription est publiée. Il est en particulier beaucoup moins catégorique sur la présence de l'agora, et préfère mettre l'accent sur un gymnase tout aussi hypothétique. En l'état, les données sont trop lacunaires pour préciser ce qu'il y avait dans ce secteur. Les inscriptions ont été trouvées en remploi, ce qui est un problème, car les inscriptions voyagent un peu. L'exemple le plus frappant est le groupe d'inscriptions découvert par Paul Perdrizet en 1898. Ce groupe de blocs, qui comprend notamment la base de la statue équestre de Gnotos, dont on sait qu'elle était érigée sur l'agora, a été mis au jour à plus de 500 mètres de l'église Saint-Georges. La politique de remploi des blocs aux époques byzantines et franques impliquait donc le déplacement des pierres sur des distances parfois importantes, et la position secondaire des blocs ne peut donc pas être utilisée comme argument pour préciser les traits de la topographie antique. En revanche, un autre monument antique peut être localisé. Il s'agit du théâtre, dont l'emplacement présumé nous a été indiqué par un habitant du lieu, Yanis Mavrodimos, que je tiens à remercier ici. En regardant les anomalies des courbes de niveau sur la carte, je pense que son emplacement est bel et bien acquis, et j'espère pouvoir être en mesure de le prouver bientôt, grâce aux données LIDAR. Cela permet de localiser un deuxième pôle potentiel comme cœur de la ville. En somme, les travaux à Akraïfia sont soumis dans une moindre mesure aux mêmes aléas qu'Optoion. Il faut une plongée dans la documentation ancienne pour se rendre compte de l'ampleur des travaux de nos prédécesseurs. Il s'agit là d'un travail archivistique aussi bien qu'archéologique et même paléographique lorsqu'il s'agit de déchiffrer les notes manuscrites de Maurice Solo. Louis Robert décrivait ce dossier comme un fardeau que traîne l'école depuis la fin des années 1890. Je préfère, pour ma part, parler d'un héritage. Un héritage complexe, mais qu'il convient de poursuivre et de faire prospérer. C'est une tâche difficile, avec chaque génération de chercheurs qui ajoute une strate au projet, mais nous ne désespérons pas, avec Christelle Müller et Demetrios Bartis, de venir à bout de proposer prochainement une première synthèse sur la cité, son territoire et ses sanctuaires. Je vous remercie de votre attention. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.